avez-vous déjà menti sur votre déclaration d'impôt? Si t'hésites, il faut que t'avances. Hein. Léger. Quoi léger? Léger. C'est-à-dire? Non, je me suis rendu compte, comme ça nous est arrivé à tous, je me suis rendu compte que j'avais pas tout déclaré. J'ai fait, excusez-moi, il y a des choses de l'année passée que j'ai pas déclarées. Je reviens, je vous les paye, on s'arrange. La bise, la famille, ça refait. Ah, t'as fait une cahuzac, quoi. C'est pas ça. J'ai fait une mini cahuzette. Voilà. Avez-vous déjà dit du mal de Cyril Hanouna? Vous êtes le seul du métier, apparemment. Oh, je suis fidèle en amitié. Oh là. Avez-vous déjà dit à une personne du showbiz que son spectacle ou son film était super bien, alors qu'en vrai, pas du tout? Ah. C'est un spectacle ou un film? Non, j'ai pas d'image précise, mais je trouve que quand on va voir une... quand on attend un réalisateur à la fin d'une avant-première ou qu'on va voir un artiste dans sa loge, c'est très difficile de commencer à faire le débriefing. Le mec, il est en sueur, il panique, etc. Et moi, je l'ai vécu en étant réalisateur la semaine dernière. Je me doute qu'il y a peut-être des gens qui ont un peu dévié leurs propos. Et... Non, personne ne l'a fait. Mais non, mais tout le monde le fait, c'est normal. Il faut toujours mentir aux gens du showbiz. Elle est mortelle, l'émission Cyril. Allez, question suivante. Avez-vous déjà été infidèle? Avez-vous déjà été... Ah, apparemment, il connaît les dossiers. Non. Non, une fois, deux fois? Non, là, bon, on veut pas le savoir. Ça peut arriver. Quoi, c'est vrai? Ah ouais? C'est pas votre genre? Mais non. Ah non, mais vous avez quand même avancé. C'est pour le show. Non. Ouais, c'est ça, ouais. On dit la vérité. Une fois. C'est pour le saut, surtout le saut de la tub, apparemment. Qu'est-ce qu'il dit ? Dis donc, tu vas fermer ta gueule, Dieu ? Question suivante, Dieu ! Avez-vous déjà fait semblant d'oublier de rendre de l'argent qu'on vous avait prêté ? Oui, si je pouvais pas le rendre, oui, bien sûr. Ah ouais, c'est vrai ? Bah oui, non, c'est-à-dire que vous êtes face à la personne qui vous a prêté, et puis vous parlez de la météo, du... C'est ça, ouais, vous oubliez. Voilà, on oublie, oui, bien sûr. Et je vous ai déjà prêté de l'argent, moi. Oui, je vous ai demandé, vous n'avez pas voulu. Vous avez dit que vous avez... Ah non, ça, c'était pas moi. Allez, question suivante. Avez-vous déjà profité de votre célébrité pour coucher avec une personne? Oui, Valérie Benaïm, je l'ai vu. Non. Non, c'est pas son... Non, mais il est pas comme ça. Jérôme Commandeur, 6 sur l'échelle de la honte, c'est pas mal. Vous prenez la deuxième place. Ah ouais, donc j'ai été plutôt... Derrière Gérard Darmon.